Merci à Christian Pilon de les avoir accompagnés. Christian est un conteur inné et un communicateur à la passion contagieuse. Franco-ontarien et métisse, Christian fait rayonner les valeurs des peuples autochtones pour le plus grand bénéfice des jeunes d'aujourd'hui, qui veulent assurer à leurs enfants un monde paisible et inclusif par le respect de soi, des autres et surtout de la nature qui nous entoure. Et pour tous les élèves franco-ontariens, cette histoire, elle est très importante. C'est un honneur, Christian, de te compter parmi les grands partenaires du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je remercie également le comité coordonnateur des activités culturelles, éducatives et communautaires du 400e de Champlain. Je suis fière et heureuse d'être avec vous ce matin pour la mise à l'eau de ce canot fabriqué par les élèves de l'École de la Salle. Je vous félicite pour votre travail. Pas de différence. Peu importe ton âge, ta religion, la couleur de ta peau, ton sexe, ça n'en fait pas de différence. Fait que l'enfant dit, à l'intérieur de nous, on transporte qu'est-ce qui est le plus important pour nous autres. C'est notre esprit, notre vie. Hein? Fait que le canot d'écorce, il est basé sur le corps humain. La première chose qu'on voit sur le corps humain, c'est la peau. L'homme est assis en avant. Sa tête est ici. Sa colonne vertébrale est en haut ici. Son cœur est aussi dans le milieu. Et les deux cœurs se rencontrent. Et la ligne noire que tu vois ici, c'est le sang de l'arbre. Ça représente notre sang. Merci beaucoup au conseil scolaire public, encore une fois, de me supporter et de me permettre la chance de partager ma culture avec des centaines de jeunes et à l'École de la Salle. Je reconnais aussi tous les membres de l'École de la Salle. Merci d'avoir participé. Et merci de votre patience, même quand je vous ai emprisonné souvent. Mais je n'ai jamais parti de feu dans le feu. Je souhaite réveiller ensemble, avec tous et chacun, et vous autres, en partageant notre culture. On vous attend. On est dans le canot. On a une autre baguette, une autre aspirante.